Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Je dis, yon n'a plus gros fléau. Cap ravager Haïti, cap ravager pays nos peuples haïtiens, c'est insécurité. Pas de personne monde qui c'est haïtien dans l'âme, qui c'est haïtien authentique, qui pas senti entrailles li abraché, qui pas senti souffle à couper. Le lap gade ça cap passé mentissant. Qui pas senti triplé à ravager. Le lap gade sa kap passé, c'était soleil. Le lap gade sa kap passé sous belè. C'est frère nous yo, sœur nous yo dans quartier populaire yo, kap tombé, kap mouri. Tout simplement, parce que y a un groupe nèg ici qui utilisait violence comme instrument de combat politique. Parce que il y a un groupe nèg ici qui comprend c'est par la violence yo ka arrivé dans espace pouvoir. Pour nèg yo ka arrivé dans espace pouvoir, yo décidé pour yo tuer peuple là. C'est pas normal. Tempérament ça, peuple haïtien. Type d'homme ça, il existait depuis longtemps. Pas un yé qui nouveau sous soleil là. C'est type de nèg ça qui t'a assassiné Dessalines. Parce que Dessalines t'a dit. Et nèg noé ça yo. Papa yo en Afrique. Et yo même, est-ce que yo pas gen droit gen tête tout? Mais pour parole ça, yo assassiné Dessalines. C'est même petit groupe nèg ça yo, même esprit ça qui animé petit groupe nèg ça que nous gagnons en Haïti aujourd'hui là, cap utiliser l'argent que yo gagne dans yo, que yo fait dans mauvaises conditions. Dans le temps, il était contre utiliser l'argent ça pour servir avec l'armée, pour l'armée faire job ça là pour yo. Aujourd'hui, yo pas qu'à utiliser l'armée. Ils ont utilisé politiciens vicieux, politiciens traditionnels, ça y est, là, qui n'a opposition. C'est mieux, même ils ont utilisé aujourd'hui pour que le rende pays à une entité ingouvernable, pour que soient capables d'accaparer le pouvoir. Pendant que le peuple se meurt, pendant que moun nan quartier populaire yo a courir qui te caillou sans pas konn côté yo pour aller gen kal dormi sous place publique, gen kal dormi dans vieux caill qui pou même couvrir. Ça c'est méchanceté. Peuple haïtien, ouvri genou pour nous comprendre qui est ce qui véritable ennemi nous. Pourtant nous avons un système démocratique, monsieur, on va les respecter principe démocratique là. Qui dit seul côté pour peuple à transmettre au pouvoir, c'est à travers les élections. Peuple à lisser seul souverain. C'est peuple là qui détient l'autorité suprême. Et le bon côté pour le transmettre lui. C'est à travers les urnes. C'est à travers les élections. N'a fait face, peuple haïtien, à une insécurité politico-criminel. Gagne 95% dans l'insécurité ça que nous vivons là, peuple haïtien, qui politique. Parce que nèg ici utilise violence comme instrument de combat politique pour prendre le pouvoir dans la démocratie, dans la constitution. De vous parler de urne, de vous parler d'élection, toute plume sous dos n'est opposition levée campée.
parce que yo pas vle tande parler de élection. C'est pour ça question référendum non. N'ayez pas accepté pour peuple là à l'exprimer. Yo utilisé tout moyen. Yo utilisé violence pour yo wè si yo t'ka empêcher peuple là à l'exprimer sous question constitution. Mais qui ça référendum nan yé peuple haïtien? Pour qui ça opposition peul? Yon référendum, c'est une élection. Différence qui gagne, c'est que le référendum nan, c'est constitution hein, qui c'est seul candidat. Tout le monde qui accepte, ok, tout le monde qui voulait pour constitution en pas changer, ou bra l'exprimer ou ap dit non, ou pas d'accord. Tout le monde qui voulait le changer, ou bra l'exprimer ou ap dit oui ou d'accord. Mais pour qui ça, monsieur opposition, pas d'accord pour le peuple à l'exprimer. Pour qui ça, vous préférez assassiner le peuple dans le quartier populaire yo, pour que le peuple pas à l'exprimer yo. Alors ce que nous disons, nous c'est démocrate. Pays d'Haïti, c'est un espace physique que Papa Nation a accepté mourir pour le quitter pour nous comme héritage. Monsieur opposition, vous pensez c'est pour vous seulement des salines de mourir. Vous pensez c'est pour vous seulement des ancêtres qui ont mouru. Vous tellement comprenez c'est pour vous seulement des salines de mourir. Là, vous parlez, c'est comme si c'est vous mettez Haïti. Vous dites, je ne peux pas parler à un tel, je ne peux pas dialoguer à un tel, etc. Alors que le président de la République, par exemple, suspend le gemel. Ben, opposition, hein? Opposition toujours refusé. Parce que yo connaît de bien accepter dialoguer. Parce que le dialogue constitue une renonciation à l'agressivité. Le fait que yo accepte dialoguer, faut que yo t'a renoncé avec agressivité. Hein? Faut que yo renonce à l'agression à faire sous peuple dans le quartier populaire. Yo pas accepté chita pali. Alors que premier citoyen nation, hein, c'est lui-même qui représente le peuple là. Parce que le peuple là, c'est lui-même qui a un mandat pour représenter à travers les élections. Lors d'où pas la présidence, ça veut dire pas la peuple là. Lors d'où pas chita par la présidence, c'est comme d'où ou dit, ou pas chita parler avec peuple là, parce que c'est lui qui a un mandat, non mais pour représenter peuple là. Lors d'où pas parler avec, c'est son dit. Haïti, c'est pour nous tous. Haïti, c'est pour haïtiens qui sont en opposition. Haïti, c'est pour haïtiens qui sont en pouvoir. Entendre pour entendre nous. Entendre pour nous entendre nous. Faut que nous chita parler ensemble pour que nous capables permettre à peu haïtien des possibilités pour le rallon groupe de soulagement. Question COVID-19 là, c'est une maladie sérieuse. C'est une maladie qui a une capacité pour le voyer dans un pays sans chapeau. Faut qu'on prenne très au sérieux. Pas occuper politiciens véreux, politiciens traditionnels qui voulaient servir avec maladie ça pour faire politique. C'est pour nous prendre responsabilité, nous. Suivre toute consigne que autorité sanitaire yo passe, respecter les mesures barrières yo pour que nous capables chapper en bas maladie ça. Parce que demain Haïti a l'idée meilleur que jodi a. En nous respecter mesures barrières yo pour demain meilleur haïtien nous carite vivant. Combattre la détention préventive prolongée n'est pas une mission aisée. C'est de protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Mais c'est aussi s'attaquer à des intérêts puissants. Il faut donc prendre le taureau par les cornes. Pour cela, le ministère dont je suis le titulaire a besoin de l'appui de tous les acteurs de la chaîne pénale, des partenaires techniques et financiers et de tous les intervenants à un titre ou à un autre dans le système judiciaire pour mieux combattre le phénomène avec efficacité. Ayant une longue carrière derrière moi,
dans le système judiciaire, j'ai toujours soutenu l'idée que la détention préventive prolongée est la résultante de nombreux dysfonctionnements des maillons de la chaîne pénale, depuis la police à la prison, en passant par les parquets et les cabinets d'instruction. J'avais compris que la solution à ce problème récurrent passait par la relance et le maintien du comité de suivi de la chaîne pénale en vue d'une meilleure performance des acteurs pénaux, par une augmentation significative du nombre d'audiences réalisées par nos cours et tribunaux, par un contrôle strict du flux entrant dans les centres d'incarcération, par le respect des délais légaux par les magistrats instructeurs, par la bonne qualification des faits, etc. Cette position est partagée par des acteurs judiciaires, des acteurs de la société civile et des partenaires techniques et financiers avec lesquels nous avons tenu un atelier les 11, 12 et 13 janvier 2021 sur le phénomène de la détention préventive prolongée. À l'occasion de cet atelier, nous avons abordé les difficultés auxquelles font face le système judiciaire, notamment les capacités du personnel, les infrastructures, la gestion des dossiers, le fonctionnement du système carcéral et plus spécifiquement le phénomène récurrent de la détention provisoire prolongée qui est en réalité une violation grave des droits fondamentaux des justiciables, victimes du faible rendement de certains acteurs judiciaires et des dysfonctionnements de la chaîne pénale. Des recommandations ont été produites sur des mesures à adopter. Un comité a été mis en place au sein du ministère pour la rédaction d'un rapport d'atelier prenant en compte les recommandations et partage d'expériences des différents acteurs et qui tient lieu de plan stratégique de lutte contre la détention préventive prolongée. De plus, un comité de pilotage et de suivi a été constitué. Ce comité de pilotage et de suivi sera présidé par le directeur des affaires judiciaires, Maître Level Milor. Ce dernier sera accompagné dans cette noble mission par un membre de mon cabinet particulier chargé des dossiers pénaux, Maître Wally Mérisier. Le directeur des affaires juridiques, Maître Jean-Falière Bazelet. Le représentant du service des greffes et des parquets, Maître Jean-Robert Dorsey. La représentante du service de l'inspection judiciaire, Maître Marie-Marc Gracieux. Un représentant du Conseil national d'assistance légale, Sénal, et du service de la détention, Maître Genel Pierre. Et des observateurs de nos principaux partenaires techniques et financiers. Madame, Monsieur, ce matin, j'ai l'avantage de vous installer comme président et membre du comité de pilotage et de suivi. Votre mission essentielle est de prendre toutes les initiatives sensées, légales et conformes à l'éthique, en vue d'assurer les suivis pour faciliter la mise en œuvre effective de ce plan stratégique devant combattre la détention préventive prolongée. Après l'intervention magistrale du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, en l'occurrence Maître Rockefeller Vincent, je n'ai qu'à vous rappeler que la situation est réellement inquiétante et alarmante dans les prisons
à travers le pays. Tenant compte de la promiscuité et la surpopulation carcérale, la peur s'installe davantage avec la recrudescence surtout du Covid-19 puisque son intrusion dans les prisons pourra provoquer une catastrophe humanitaire. Donc, au-delà de toutes les autres conséquences de ce mal qu'est la détention préventive prolongée, portant atteinte aux droits et libertés de la personne humaine, nous serions en droit de nous attendre au pire si rien n'est fait. Heureusement, la sagacité et le leadership du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Félix Vincent, l'ont guidé à prendre cette noble initiative, celle d'installer aujourd'hui le comité de pilotage et de suivi du plan stratégique de lutte contre la détention préventive prolongée, dont je suis le titulaire ou le président de ce dit comité. Ayant cette lourde responsabilité, je dois vous dire, monsieur le ministre, par ce geste ce matin, nous sommes appelés aussi, chers collaborateurs, membres du dit comité, au sauvetage d'une situation catastrophique qui s'annonce sans précédent. Donc, la tâche est de taille. Il faut vous préparer à vous y atteler. Toutefois, nous avons aussi l'occasion, mesdames, messieurs, membres du comité, de nous prouver davantage par des résultats concrets, sans précédent, pour fournir des services aux justiciables coincés dans les principales prisons du pays pour permettre au décongestionnement de ces prisons par la libération des détenus qui méritent d'être libérés. En guise de conclusion, je dois vous dire, mesdames, messieurs, membres du comité, l'heure est au pragmatisme et nous comptons beaucoup sur vos expériences et votre capacité de chacun de vous membres qui composent ce dit comité. C'est pour vous dire, monsieur le ministre, que l'acte posé par vous aujourd'hui ce matin ne sera pas vain. Vous pouvez compter sur. C'est avec un immense plaisir que le ministre du Commerce et de l'Industrie accueille aujourd'hui au sein de ce ministère le nouveau DG AI, M. James Monazar, qui vient d'être choisi par son Excellence le Président de la République, M. Jovenel Moïse, pour succéder à l'ancien directeur général, M. Daniel Denis, qui s'est empêché et qui n'est pas présent avec nous et ce midi. Monsieur Daniel Denis, qui a démissionné pour convenance personnelle. En souhaitant au nouveau directeur général AI la plus cordiale et bienvenue, je voudrais aussi lui dire bienvenue chez vous, Monsieur Monazar, car la plupart des membres de cette assistance le savent. Monsieur le directeur général AI, vous avez exercé la fonction de directeur adjoint à la direction de contrôle et réglementation industrielle. Avant d'être promu à ce nouveau poste de responsabilité. Et à ce titre, vous avez eu l'occasion d'expérimenter tant le mode de fonctionnement du ministère que les niveaux de collaboration qu'il convient d'obtenir de ses collaborateurs et du personnel en général pour être efficace et efficient dans les réalisations à entreprendre pour tout responsable au sein de tout type d'administration. Monsieur le directeur général AI, n'étant donc pas un nouveau venu au MCI,
L'expérience que vous avez acquise pendant les années que vous y avez accompli au service de l'État va probablement être votre premier guide personnel et saura dicter la conduite que vous devez adopter pour accomplir la noble mission qui vous a été confiée par Son Excellence le Président de la République et pour définir la posture la plus appropriée qui vous permettra de répondre au mieux aux responsabilités qui vous incombent dans cette nouvelle fonction. Attendez-vous, Monsieur le Directeur Général AI, à devoir être disponible et à devoir également dégager beaucoup d'énergie pour mener à bien réaliser les tâches quotidiennes de gestion technique et d'administration qui relèvent de votre compétence. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a pour principal guide la feuille de route qui lui a confié le chef du gouvernement. Il se fera le devoir de partager avec vous ce qui fait l'essentiel du contenu de ce guide qui vous permettra de prendre connaissance de votre prise de charge. Des grandes lignes, des grands chantiers à explorer sur ce grand chemin à parcourir pour contribuer à l'accomplissement de la mission et des attributions du MCI. Vous aurez le loisir d'accéder à tous les dossiers en cours et même en suspens dont le suivi, la finalisation dépend de vos actions par le biais, bien entendu, d'une collaboration que je souhaite, sinon parfaite, du moins cordiale entre vos collaborateurs immédiats, vos subordonnés qui sont les directeurs, les coordonnateurs et les autres cadres techniques et les employés au service de l'État qui seront assumés avec vous et à vos côtés la lourde responsabilité de faire fonctionner sous la direction de son actuel titulaire ce grand ministère dont le rôle est primordial pour le développement économique et social de notre pays. Je terminerai mes propos en joignant ma voix à celle de tous les membres du personnel du MCI pour vous souhaiter du courage, un des gages de succès dans vos actions à venir au service de l'État et pour le bien du ministère du Commerce et de l'Industrie. En ce jour où je prends officiellement mes fonctions de directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, mes premiers mots de remerciement vont au grand architecte de l'univers, créateur de lieux et maître de vie. J'ai aussi une pensée à notre cher Haïti qui a connu beaucoup de déboires au cours de ces dernières décennies, notamment les situations sanitaires dues à la COVID-19 et sécuritaires. Deux éléments qui ne contribuent pas à l'environnement des affaires et le progrès économique. Affaibli par les actes de banditisme et la situation économique difficile et précaire, le pays est toujours soutenu par la résilience de nos vaillants
concitoyennes et concitoyens. C'est dans ce contexte difficile de défis à relever que le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, le Premier ministre M. Claude Joseph, sur la proposition du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Jonas Kofi, m'ont confié les rênes de la direction générale du MCI. Pour cette confiance, je les remercie solennellement. Je reçois cette mission avec l'humilité et le courage qui me caractérisent, mais aussi avec le sentiment du devoir d'apporter ma contribution à cette infrastructure et à l'édification de piliers commerciaux pour le bien de mes frères haïtiens depuis tantôt 8 ans au niveau du MCI. Et je voudrais vous rassurer et vous dire combien je suis conscient du challenge qui m'attend et animé de l'obligation du résultat. Même si la tâche paraît immense, mais ce n'est pas une œuvre impossible. Cette confiance placée en ma personne doit être marquée d'impératifs de réussite et d'efficacité dans la mise en œuvre de l'action administrative et de politique publique sectorielle dans l'intérêt de la nation, de la patrie commune. Et je m'attellerai avec dévouement à traduire dans les faits les pivots de la vision du ministre qui reflète les lignes directrices du gouvernement en harmonie avec la politique établie et les désidérata du secteur privé et de la population. Mesdames, Messieurs, servir le pays à titre de directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie revient à prendre des actions urgentes visant la protection des consommateurs, la lutte contre la hausse généralisée des prix, la promotion des PME, la création des toutes petites entreprises, la formalisation du secteur informel, les reprises d'activités industrielles et l'adoption de l'innovation dans le secteur industriel, l'appui des projets d'entrepreneuriat, l'incorporation d'Haïti dans les échanges régionaux et mondiaux. Ces visions doivent s'exprimer dans le cadre de politiques publiques en adéquation avec nos ressources et exercées par un personnel qualifié. C'est pourquoi je m'emploierai chaque jour à tenir les engagements destinés à faire de la gouvernance du ministère un instrument de rupture et de transition devant aboutir à la mise en place de réformes que nous souhaitons ardemment. Je m'engage à ce que les objectifs du ministère deviennent plus que des vœux d'accomplissement d'un travail répondant aux problèmes de la population, mais également à des obligations. Obligation à la création de la valeur ajoutée et distribuée. Obligation de doter le pays et de conduire une politique industrielle avec pour incidence de créer des pôles industriels à travers le pays en général, en conformité avec la vision du ministre et la feuille de route du gouvernement. Cette volonté se manifestera par la remobilisation des micro-parcs industriels, tout en valorisant les spécificités régionales et en s'accentuant sur la formation, le renforcement des chaînes de valeur, les projets innovants et l'environnement légal y relatif. À ce titre, l'agro-industrie, gage de compétitivité, demeure notre priorité avec des financements et des garanties des prêts à l'exportation. Obligation aussi de favoriser les échanges commerciaux par un arsenal normatif adapté à la réalité du commerce national, régional, le cadre du CARICOM par exemple, et international. Le ministère, à travers la direction générale, s'engagera aussi à soutenir toute idée permettant la libre circulation des marchandises locales, la production de biens et de services et l'investissement local. Aussi, les actifs de la diaspora seront dynamisés, privilégiés et protégés. Il sera donc un impératif d'intégrer aussi les chambres de commerce dans le circuit de modernisation et du développement du secteur privé des affaires, dont la formalisation du secteur informel constitue un carrefour important. Obligation enfin pour l'État de protéger les consommateurs. Le MCI n'insistera donc jamais assez sur son rôle non seulement de réprimer les fraudes, d'assurer la libre concurrence, mais aussi de protéger les consommateurs. Des mesures seront prises afin d'assurer une consommation de qualité à un prix concurrentiel
à chaque ménage et à chaque citoyen de la République, en quelque lieu où il se trouve sur le territoire national. À ce titre, je félicite le ministre Kofi pour l'instauration de la brigade d'inspection qui assure l'inspection de qualité et des prix des produits en général et des produits stratégiques en particulier. Et moi, directeur général, j'y veillerai personnellement à l'application et l'effectivité de ces mesures pour le bien de la population. Pour une meilleure efficacité des actions du ministère, je m'emploierai à accélérer et renforcer le processus de décentralisation du MCI dans les départements avec, bien sûr, les directives du ministre et pour le bien du secteur privé dans les départements. Je travaillerai aussi à réduire le temps et la lourdeur procédurale pour toute création d'entreprise, un des indicateurs du doing business. Je ne saurais terminer cette allocution sans m'adresser à mon prédécesseur, M. Daniel Denis, pour qui je témoigne une profonde estime. Cette direction générale que vous me laissez doit remplir un rôle majeur dans le, pour le bien-être des Haïtiens en général, les acteurs du secteur privé et les fonctionnaires et agents publics en particulier. La cherté de la vie, le racket, la corruption, la compétitivité, la relance économique, la croissance, la prise en charge des employés du ministère, etc., sont autant de dossiers urgents qui méritent des mesures fortes pour l'atteinte de résultats. Malgré le peu de moyens disponibles et dans la rigueur budgétaire. Vous avez engagé des mesures qu'il faudra que je poursuive avec force et vigueur, car je sais que les acteurs du secteur privé et des affaires et les agents du ministère m'observent désormais et que leurs attentes sont immenses. Et dans un élan de conscience nationale et de changement de paradigme comportemental, nous allons les combler. La tâche qui m'attend sera rude et il faut la collaboration de tous les cadres et employés du ministère. Je suis ici pour servir l'État et travailler avec vous, directeurs, coordonnateurs et vos assistants, chefs de service, techniciens, ainsi que le personnel de soutien. Je compte sur vos qualifications, vos expériences, vos sens de responsabilité et vos qualités de travailleur pour atteindre, dans la discipline et la rigueur, les objectifs fixés par le gouvernement en général et ceux du ministre en particulier, à mettre en œuvre par la direction générale, dont j'ai la charge. Ainsi, nous pourrons travailler à améliorer les conditions de travail et faire ensemble la route tracée par la volonté d'un ministère meilleur. J'attends de tous mes collaborateurs de la transparence et du respect des principes de bonne gouvernance sur lesquels je ne transigerai jamais. Je suis conscient que nous avons un destin individuel, mais une réussite collective. Cette réussite ne peut se réaliser qu'en prenant des décisions allant dans le sens du groupe et de l'intérêt général. Car je suis convaincu que seul le travail, rien que le travail, demeure la clé de tout progrès. Le ministre a cru bon de lancer ce concours pour financer les lauréats qui veulent bien entendu écrire leur thèse de mémoire de licence en droits humains. Donc, ce concours est officiellement lancé. Tout le monde qui étudiant finissant, qui a fait mémoire sous droits humains, c'est-à-dire sous une thématique qui a un rapport avec droits humains, par exemple la traite des personnes, minorités sexuelles, ainsi de suite, tout le monde sait que c'est yo que jodi a, ministère justice et sécurité publique, adressé pour demander pour prendre contact avec le ministère là, pour déposer projet de mémoire, y a analysé et y a venu financement de 75 000 gourdes de la part du ministère pour yo cap fait mémoire là et mémoire là le fin fait présenté et sanctionné gain d'autres suivis de promulgation que ministère là a fait auprès de lauréat Sayo. Nous rappeler que concours ça poursuit deux objectifs. Premièrement, attirer l'attention sur les problématiques de droits humains dans le pays et deuxièmement
la mission de l'État d'encourager les jeunes à la recherche. Donc, dans Micro La Presse, nous rappelons que nous sommes disponibles au niveau ministère là. Il y a des numéros de contact que alors intéressés au cap rapidement joindre pour au cap faire part non seulement de projet mémoire et prendre connaissance tout amplement de critères d'accessibilité dans le cadre concours ça. Ce concours national d'excellence de droits humains est à sa première édition et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique entend bien mener à point ce concours de sorte que les lauréats soient non seulement récompensés mais aussi présentés à la population. Voilà, et merci avec tout le monde qui débranché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.